Le prince William est en deuil. Le prince de Galles doit faire face à la mort d'un de ses parrains. Le roi Constantin II de Grèce est mort. Le prince William vit des moments particulièrement compliqués. Sous le feu des projecteurs à cause des révélations portées par son petit frère, le prince Harry, il doit en plus faire face à une disparition tragique au sein de son clan. En effet, l'un de ses parrains est mort mardi 10 janvier 2023. Il s'agit du roi Constantin II de Grèce. Depuis plusieurs jours, son état de santé était préoccupant à cause d'une attaque cardiaque dont il a été victime. Malgré les nombreux soins qui lui ont été prodigués, il a rendu son dernier souffle à l'âge de 82 ans. Il était le frère de l'ex-reine Sophia d'Espagne et le beau-frère de la reine Margrethe II de Danemark. Mais il avait également des liens avec la famille royale d'Angleterre, puisqu'il était descendant de la famille royale de Schleswig-Holstein-Glücksbourg, et le cousin du souverain britannique Charles III. Cette disparition doit particulièrement affecter Charles III et son fils aîné. Seulement, ils doivent également penser à l'image de leur royaume actuellement abîmé à cause des déclarations du prince Harry dans ses mémoires, sorti mardi 10 janvier 2023. Lors des interviews qu'il a accordées pour en faire la promotion, il n'a pas hésité à s'en prendre à sa famille. Il a assuré qu'elle n'avait rien fait pour permettre à sa femme, Meghan Markle, de se sentir mieux. L'image du prince William est écornée dans son livre, le prince Harry a même évoqué une violente altercation qu'il y aurait eu entre lui et son grand frère. Ce dernier n'aurait pas hésité à pousser au sol le duc de Sussex, le blessant ainsi gravement au dos. Des révélations qui devraient écorner l'image du futur roi d'Angleterre. Pour l'heure, aucun membre de la famille royale n'est sorti du silence pour répondre aux lourdes accusations portées par le père d'Archie et Lilibet.